m'inscrire au consulat. Mais à quoi ça sert le consulat? Ah oui, on peut voter à l'étranger, j'aurais besoin d'un nouveau passeport. Est-ce que le consulat peut m'aider en cas de crise? Vous écoutez Les coulisses du consulaire, un balado présenté par le Consulat général de France à Québec et le Consulat général de France à Montréal. Déclare le bureau de vote numéro 1 ouvert. À voter. Les postes diplomatiques organisent également les élections pour les Français de l'étranger. Si l'élection présidentielle reste la plus populaire auprès de la communauté française, les autres scrutins n'en sont pas moins importants. En France, on considère que, évidemment, on est français, quel que soit l'endroit où on a choisi de vivre. Frédéric Sanchez. Et donc, les Français établis hors de France, nos gouvernements, depuis de nombreuses années, et ça s'est d'ailleurs renforcé encore récemment, nos gouvernements souhaitent que les Français établis hors de France participent à la vie démocratique de notre pays. Il y a des sénateurs des Français de l'étranger, il y a depuis quelques années des députés des Français de l'étranger. Et par ailleurs, les Français de l'étranger peuvent choisir, au même titre que ceux qui résident en France métropolitaine, peuvent choisir, contribuer à choisir le président de la République. Donc c'est très important et j'invite tous les Français qui le souhaitent à vérifier qu'ils sont bien inscrits au registre du consulat, à vérifier qu'à partir de cette inscription au registre, ils sont bien inscrits sur la liste électorale et ainsi ils pourront accomplir leur devoir de citoyen, mais surtout faire valoir leurs droits de citoyen. C'est un défi logistique, d'une part parce que nous sommes 35 pour organiser ces élections. Il y a au maximum au consulat 35 personnes qui par ailleurs, en dehors des élections, ont des tâches habituelles qu'elles doivent continuer à accomplir malgré les échéances électorales. Sophie Lagoutte. Donc nous nous reposons aussi beaucoup sur des volontaires. C'est également un défi logistique car nous n'avons pas de bâtiment en propre. Nous devons donc trouver le lieu où organiser ces élections. Et c'est enfin un défi logistique car nous ne sommes pas chez nous par définition et donc nous sommes soumis à l'autorisation préalable des autorités fédérales, provinciales, locales qui évaluent également les conditions de sécurité de la tenue de ces élections et ensuite il faut gérer le jour même de l'élection les flux dans des conditions sécuritaires et naturellement ces enjeux de sécurité sont aujourd'hui encore renforcés par le contexte de la pandémie avec la nécessaire distanciation, on l'a vu lors des élections consulaires du printemps dernier où ça a été un sujet de préoccupation très important pour garantir que le vote se déroule dans les meilleures conditions sécuritaires et sanitaires possibles. Si le taux de participation reste bas, les élections constituent un exercice démocratique majeur pour les Français établis hors de France. D'ailleurs, à la direction des Français de l'étranger, on met en place des solutions adaptées à l'immensité et aux contraintes des territoires. Pour les élections présidentielles, ils auront la possibilité de voter à l'urne ou de voter par procuration. Laurence Aguenauer. Et pour les élections législatives, le vote à l'urne est évidemment toujours possible. Ils pourront également voter par procuration ou par correspondance. Et si la solution de vote est homologuée, par Internet avec une solution qui sera électronique. Il est très important de participer à ces élections pour participer à la vie démocratique de la France, mais également d'aider nos postes consulaires en vous investissant, en participant aux équipes qui sont mises en place avec des bénévoles pour aider lors des scrutins.